Ce dimanche 16 avril 2023, Ilona a une fois de plus joué la carte de l'honnêteté avec ses fans, et a décidé de dévoiler la raison de sa rupture avec Paul André, dont elle était pourtant très amoureuse. Dimanche 16 avril 2023, Ilona a donné des nouvelles à ses abonnés dans une vidéo FAQ foire aux questions. Le mot d'ordre, l'honnêteté. Il faut dire que depuis le 26 février dernier, elle a décidé de ne plus rien cacher. Après des semaines très douloureuses, elle a craqué, et dévoilé tout ce qu'elle avait sur leur cœur dans une vidéo YouTube. Elle y évoque sa relation tumultueuse avec son ex Julien Burt, l'accusant de violence, d'escroquerie et évoquant sa fausse couche, son avortement, ainsi que les dettes qu'il a envers elle. La jeune femme assure qu'une plainte a été déposée et évoque une dispute au cours de laquelle il l'aurait étranglée. À la suite de ces révélations choquantes, elle a eu la chance de pouvoir compter sur le soutien de ses abonnés et a commencé à remonter la pente. Mais comment va-t-elle depuis ? Il faut rappeler que lors de cette période très compliquée, elle a également vécu une rupture douloureuse, celle avec Paul André, dont elle était très amoureuse. Lorsqu'un fan lui demande si elle a des rapports cordiaux avec Paul André, elle répond, cache, j'en ai eu. Pendant quelques semaines, on ne cesse plus parler, ensuite, il est revenu. Je commençais à le laisser re-rentrer un peu dans ma vie. Commence-t-elle ? Les vraies raisons de leur rupture, mais cela n'a pas duré, j'ai décidé alors de stopper tout contact. L'entente n'est pas cordiale, mais elle n'est pas haineuse, conclut-elle. Mais pourquoi ce choix ? Elle l'explique par la raison de leur rupture. La vraie histoire, si est que pendant que j'allais très mal, on s'est disputé, il a pris ses affaires et il est parti de la maison, relate-t-elle. Cela a eu lieu un mercredi, or le vendredi soir, tout a basculé, il a couché avec une autre fille, lâche-t-elle. Elle l'a appris le lundi suivant, lorsqu'il est revenu la voir, tout allait bien, on allait se remettre ensemble comme s'il ne rien était. Mais j'ai toujours eu cet instinct de sentir les choses. Alors, après beaucoup d'insistance, jusqu'à 2h du matin, le jour de la Saint-Valentin, il m'a avoué qu'il avait couché avec une autre fille. Il l'a ramenée chez lui, raconte Ilona. Il l'a immédiatement regretté et a dit toutes ses excuses que les hommes disent. Ce fut l'une des périodes les plus compliquées de sa vie, puisque le lendemain, son grand-père est décédé. Ensuite, elle a dû faire l'état des lieux de la maison dans laquelle résidait Julien Burt, et rencontrer les huissiers, même Paul André estime que si est de la tromperie. Quand tu es au fond du trou et que tu vas vraiment mal, la personne avec qui tu es censé te soutenir. Mais ce n'est pas parce que tu n'es ne peux plus que tu vas voir ailleurs, ce n'est ni une solution ni une excuse, ce n'est pas pardonnable, pas acceptable, assure-t-elle. Ayant perdu toute confiance en lui, la jeune femme estime que cela ne servirait à rien de se remettre en couple avec Paul André. Au risque de se faire du mal une nouvelle fois.